Eh bien, salut tout le monde, ici Azarat, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Speedcraft98. Salut! Avec sa tête de. Iroquois là. Et on reprend 7 Days. On reprend 7 Days, ça a changé à mort. Perso, j'ai un peu de mal même, tellement ça a changé. Et des trucs que je sais pas. D'ailleurs, quand on plantera le lit, il risque d'y avoir des hordes qui vont se ramener du coup. Oui, j'ai posé mon lit déjà. Ouais, ben on verra ça. Mais c'est au bout du 7e jour. C'est au bout. Ah oui, bah ça va alors. On a encore un peu de temps. 7 jours pour mourir. Ouais. Donc on a trouvé un bon petit endroit au bord du biome forêt. Hein, parce que je vais vous montrer la map. Alors, là, il y a la grosse ville. C'est entouré de désert. Mais complètement entouré de désert. Alors c'était un peu chiant pour trouver son chemin. On s'est dit, on va aller plein nord. On a trouvé un biome forêt où il y a peut-être un peu plus de ressources que. Ouh, je viens d'entendre un ours. Oh, il y a un ours! On se le fait? Moi aussi. On se le fait. Allez, attends, j'ai pas de flèche. J'ai pas assez de flèches. Putain, j'en ai que 11. Ah là, c'est bon, j'ai des flèches en fer. Ok. Des flèches en fer. Où c'est qu'il est? Faut le trouver. Celle-là, il y a de la viande à craquer là. Ce qu'il nous faut de la bouffe là. Où c'est qu'il est ce con? Ah, il doit être dans le coin, je l'entends de plus en plus. Je le vois. Tiens, suis-moi, je le vois. Ah, il est là-bas. Attends, accroupi. Accroupi, fais-lui des dégâts critiques. C'est pas dans Skyrim qu'on fait des dégâts critiques. Comme ça. Ah si, ah, ça marche aussi. Ah, c'est pas mal ça. Accroupi. Ouais. Il est rapide le bougre. Quand tu te fais l'ours, tu me fais la biche. Ah non, faut mieux qu'on soit à deux sur l'ours parce que là. Il est où? Il me court après. Ouh putain, j'ai failli me prendre un coup de patte. Ah ouais, en fait, t'es tout le temps en furtif vu que c'est pas un zombie. Il te compte pas comme détection. C'est un peu cheat. Ouh putain, c'est un peu cheaté. J'ai un peu de le rater, moi. Oh! Oh! Oh la tire dans la tête! Je suis en train de l'ouvrir là. Ouh la bonne viande! Tiens, du cuir aussi. De l'animal hide pour faire du cuir. Ça c'est bien ça. Est-ce que t'as de quoi faire un feu de camp? On peut faire le bello. Avec le cuir, on peut faire le bello. Et le bello, ça sert à faire la forge. Ouais. Ah, ça a changé alors. Bon, attends, là par contre, faut faire un feu de camp parce que je pue du cul. Alors, le feu de camp. En fait, le bello, c'est juste. Attends, je vais casser le corps, le cadavre. T'as des cailloux? Il faut des cailloux pour J'ai faire. 8 cailloux. Ouais, vas-y, passe. C'est pile Il y a poil. des cailloux là par terre. Il y a un caillou par terre. Passe-les-moi, c'est pile poil ce qu'il faut pour faire le feu de camp. Je vais faire cuire la viande. Parce que là, ça se rend un peu, quoi. J'ai la viande sur moi, les zombies vont se ramener. Ça va je vais pas continuer faire. À couper du bois. Ouais, je pose le feu de camp près de la base. Ouais, près de ton lit. Ici. Tac. Yanala est en ligne. C'est bon, c'est en train de cuire. Bon, ça sera de la viande un peu grillée. Hein, mais... Zombie! Je commence à m'en sortir un Derrière peu. Toi! Oh putain. Oups, ok, j'ai la flèche qui vient de toucher un truc qui n'existe pas. C'est génial. Ça, tu vois, c'est parce que je pue. Ah, la poudre à canon. Il y a pas mal de zombies. La poudre à canon. Ouais, je vais les faire au corps à corps parce que. Ah, il y a un truc invisible. C'est quoi ce délire? Viens. Merde. Oh, c'est bon. Je suis juste assommé.
Oh, j'ai perdu un wellness. Merde! Non, non, non! Non! Putain, mais c'est pas possible, il spawn comme ça, partout. Quel con. Oh, il a pris feu, le zombie! Il a marché sur le feu de camp. Ah, je saigne! Je vais mourir! Oh non, je crois que je verrai. Hey, j'espère que je vais pas réapparaître à 3 bornes. Attends, je suis. J'ai plus de flèches, je vais mourir. C'est que je... Oh putain. Je suis hyper loin. Et la viande, elle va cramer dans le... Dans le feu. Essayez de récupérer... Oh putain. Bon, je vais essayer de venir. Bon, étant donné que le temps de trajet va être très chiant pour la vidéo, je vais couper et reprendre après, parce que là... Ça va pas le faire. Il y a pas mal de bâtiments hein, sur le chemin là, mais ouais. Moi, je me casse, il y a plein de zombies partout. Ça cause du feu de camp ça. Oh, putain, une glacière vide, bien sûr. Allez. Bon, allez, je coupe l'enregistrement. Ouais, tout le monde, c'est toujours Azarath. Je suis rentré au campement. Les zombies ont creusé partout dans la montagne. Je pense que c'est à cause de la viande qu'il y a dans le coffre. Parce qu'avant, en fait, quand on avait de la viande sur nous, les zombies nous sentaient, mais... nous sentaient sur quand la viande est sur nous, pas dans les coffres. Je crois que ça a changé, en fait. Du coup, faut faire super gaffe quand on a de la viande. Il doit y avoir un moyen, je pense, d'éviter qu'il y ait trop d'odeur, peut-être avec un frigo, ou je sais pas. Faut voir, faudra tester. En tout cas, la Speedcraft a des gros problèmes de connexion, des gros soucis de 22h. Ça y est, il y a eu la petite musique. Les zombies, maintenant, peuvent courir. J'avais construit un abri de fortune. Je vais rester tout seul, du coup, ici. Jusqu'au lever du jour, c'est-à-dire 4h du matin. À partir de 4h du matin, les zombies ne courront plus et je pourrai continuer la récolte de ressources. Voilà, en tout cas ça fait plaisir de reprendre 7 Days, ça faisait longtemps, beaucoup l'attendaient, c'est avec ça que j'ai commencé ma chaîne, on voit plus rien, vache, il fait noir d'un coup. Ouais. J'ai plus de planche pour refermer, c'est pas grave. Bon bah on va attendre là. Ouais, en tout cas ça fait du bien de reprendre 7 Days, c'est cool. J'arrête le chronomètre, il a tourné dans le vent ce qu'on... Excusez-moi. Alors je sais pas trop comment va se dérouler cette série. On va dire que là c'est une sorte d'épisode pilote. Hein. Je suis avec Speedcraft. On essaie de survivre. On essaie de reprendre tranquillement le jeu. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Il y a plein de trucs qui ont changé. Il y a des arcs et tout. Ça a vachement changé quoi. Même au niveau du craft, de la construction. Ou encore j'avais déjà vu le système de moule de construction par frame comme ça, mais je crois qu'il y a encore eu des changements. Il me semble qu'il y a un véhicule aussi maintenant, donc tout ça c'est à voir ce que ça donne. Je crois que le véhicule n'est que dans la map déjà toute faite, elle n'est pas dans la map aléatoire je crois. Bref, je vais couper l'enregistrement ici, ça sert à rien de continuer d'attendre ici jusqu'à 4h du mat, vous allez vous faire chier. Donc, à tout de suite. Je reprends l'enregistrement parce que là, il y a un putain de zombie. Regardez, devant la porte. Il y,
Y'a un truc qui vient de passer. Oh, ce stress. Y'a du zombie qui tape. Y'a un truc qui vient de passer devant la porte. Je le sens pas du tout là. Ouh là 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 là. Il vient de péter un bloc de pierre là, il tape dans le vide apparemment. Et il y a une abeille aussi. Qu'est-ce qu'une abeille fout là? Non, non. Il me semblait que les abeilles c'était que dans la grande ville ou qu'il y avait des ruches pas trop loin. J'espère qu'il n'y a pas de ruches. Bon. Toujours pas de nouvelles de Speedcraft pour l'instant. Il est en train de galérer avec sa connexion du Pakistan là. Bon, j'en profite pour ce petit moment de tranquillité, on va dire ça, pour vous dire que je vais reprendre aussi les vidéos, au moins une en tout cas, sur Universe Sandbox 2. Voilà, c'est une des vidéos les plus vues de ma chaîne. J'y ai joué il y a pas mal de temps. Beaucoup de gens m'en demandent. Pourquoi pas créer Speedcraft revient. Attends, d'accord. Pourquoi pas créer un système solaire de toutes pièces sur Universe Sandbox 2, ça peut être très sympa. C'est un abonné qui me l'a proposé dans les commentaires. Et ce commentaire a eu pas mal de pouces bleus, donc j'en déduis que pas mal de monde voudrait une vidéo sur Universe Sandbox 2. Donc je vais m'atteler à ça tout de suite après celle-ci de vidéo. Il est 3h du matin, le soleil se lève. Heureux Speedcraft! Dès que 4h est passée, je sors. Je sors et je leur pète la gueule. Ah, j'aime pas ça. Ah, puis les cris qu'ils font. Oh, ça m'avait pas manqué par contre. Ah, il me stresse. Oh là là. Pour l'instant, j'ai pas vu de spider zombie, c'est bon signe. En fait, les spider zombies, dans mes vieilles vidéos, c'était juste des zombies qui grimpaient au mur. Mais maintenant, c'est des éclaireurs. On n'en voit jamais, mais quand on en voit, ils sont en général en groupe de 3. Et s'il y en a un qui arrive à s'enfuir, il va appeler ses potes. Et après, tu te retrouves avec une horde sur le dos. Donc, faut faire super gaffe aux spider zombies quand on en croise. Soit faut se planquer et ne pas se faire repérer, soit faut tous les tuer. Donc, si on veut les attaquer, il faut vraiment être sûr de pouvoir tous les tuer. Avant qu'ils ne poussent leur hurlement, là, en claquant des dents. Et c'est le signal pour appeler une horde. Donc, il faut que je fasse super gaffe à ça. Pour l'instant, j'en ai pas vu, donc tout va bien. 3h33. Allez. Donc voilà, première vidéo, ça se passe comme une première vidéo, quoi. C'est un peu la merde. Mais on a déjà trouvé l'endroit où s'implanter, pour l'instant. C'est déjà bien. Ah oui, ouais, alors, je vais en reparler au début de la prochaine vidéo sur 7 Days, mais là, j'en parle tout de suite. J'hésite à rouvrir un nouveau serveur à l'ancienne sur 7 Days, ou si un autre membre de la Gaming for Fun a un serveur 7 Days, n'hésitez pas, je sais pas, je pense surtout à Obscur et Elsagan qui ont beaucoup joué à 7 Days aussi, n'hésitez pas si vous avez un serveur, ou si vous comptez ouvrir un serveur, ça y est, la petite musique, à me prévenir, allez. Oh la vache, mais qu'est-ce qui branle? Ils cassent des cailloux! Ils sont en train de miner, les zombies, là! Ok, toi tu vas mourir. Ah, je les aime pas, ceux-là! Ils avancent en boitant, et le souci, c'est qu'on peut pas bien viser la tête. Alors, vaut mieux se les faire au corps à corps. Voilà, t'es mort. Alors, où c'est qu'il y a une abeille, là? J'entends une abeille depuis tout à l'heure. Là!
What? What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. Eh, tu peux pas venir par l'autre. Eh, coulo. Ah, il est bon. Alors, attendez, je vais essayer de monter. Allez, monte, 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 monte. Non, il veut pas. Ah, bah, il va venir. Allez, viens. Ouais, une abeille qui trace des cercles dans le ciel. Là. Alors graphiquement, ça a bien changé aussi. Hein. Là, on peut voir la peau des zombies qui brille. Alors lui, il a pris trop cher. On peut voir la peau des zombies qui brille et certains meubles aussi, des blocs. En gros, ils ont introduit les reflets, tout simplement. Il y en a partout. Est-ce que c'est à cause de... Je sais pas pourquoi ils attaquent comme ça la montagne, comme des teubés. Aïe, aïe, non, putain. J'aime pas quand je suis assommé. Ah, ça y est, là. Elle vient par l'autre. Je sais pas. Je sais pas si elle veut descendre. Ah, vous voyez, là, ça bug à mort. Ça bug. C'est... Ouais, je sais pas ce qu'il a. Je sais pas c'est quoi ces bugs. Il y a des gros bugs de connexion. Putain, il y en a partout. Là. Il y a du zombard partout. Là. Je le rappelle. Re. Tu m'entends? C'est bon? Allô? Ouais? Ouais, c'est bon. J'ai à relancer l'enregistrement, là. Ok. Je suis à la base, il y a du zombie, mais ça va à peu près. Oh, il y a une de ces tours, celui-là. Je relance le jeu. Ouais. On t'enregistre, là? De quoi? T'enregistres? Ouais, j'enregistre. Ok. J'ai construit... tu sais, là où on s'était planqué dans la montagne. Ouais. J'ai construit une espèce d'arche en bois avec une porte pour s'abriter la nuit le temps qu'on construit un truc plus gros. Ouais. Et en attendant, je vais couper du bois pour faire des wood frames et commencer la construction. Ok. Et puis sur l'autre serveur, tu vois, j'avais le mec qui m'avait aidé, je l'avais payé, tu vois, en scrap pour qu'il travaille pour moi. Ouais. Il m'avait coupé 500 bûches. Ouais, ça va. Et c'était quoi? Tu payais avec des scrap métal? Ouais, des scrap iron. Hein. Ouais, des scrap iron. Merde, non, mais c'est quoi ce délire? L'arbre était par terre. L'arbre était par terre. J'avance vers lui. J'avance vers lui. Et je suis mort. Et je suis mort. Ah, ça c'est con. Oh putain. Oh putain. Surtout le wellness qui est retombé. À... Je suis à 69 là. Je suis à 69 là. Ça craint. Bah, ça va, j'avais posé mon lit. Moi, ça va, j'avais posé mon lit. C'est un peu chier quoi. Ah, je sais pas pour combien de vidéos j'ai... combien de temps de vidéos j'ai tourné là, j'ai éteint le chronomètre. Ah. Oh, tant pis, c'est pas grave. T'as fait une grosse vidéo? Ouais. Allez, on coupe du bois. Allez, on coupe du bois. T'as pas remis tes écouteurs? Non, faut que je les remette. Ouais, c'est parce que je m'entends en écho, en fait. Bon, bah, je vais les remettre.
Oh, j'ai un coup de barre. Ah, y a un zombie qui est en train de creuser là. Et... je vais le faire descendre parce que là. Regarde là toi. Comment ils tombent comme des merdes les zombies. Ah ouais. C'est quoi ça? Rotting flesh. Ouais non. Food poisoning. Non, on va laisser ça sur toi. J'ai pas envie de tomber malade en bouffant. Tu peux redémarrer le serveur? Redémarrer le. Pourquoi? T'arrives pas à rejoindre? Parce que j'arrive à. Bah j'arrive pas à rejoindre. Ok, attends, je vais voir à ça. Tac. Et il me manque du tissu pour faire les jambes. T'as du tissu en trop, non? Non, j'en ai pas. Ouais, j'ai il a dit qu'il est passé. Ouais. J'ai pas trop confiance. Moi non plus. L'accepter, mais ouais. Je sais pas, hein. C'est un français, donc. Ouais. Au pire, on lui défonce sa race, hein. Enfin, je sais pas, je dis ça. Ouais. Ouais, un cochon! Ah, viens là, foiré! Putain, je l'ai perdu. Oh. Bon, c'est pas grave si la maison n'est pas symétrique. J'ai 11 ans. J'ai 11 ans. Et ouais. Vous attends. Ah mais quelle bande de connards. Oh putain. Il veut dire il... Non mais là il... Ah, s'il y croit c'est un truc de dingue. Quoi? Je crois qu'il dit quoi? Quoi? Ah, il a l'air impressionné par notre âge, je crois. Ouais, moi j'ai 6 ans. Où c'est que j'ai foutu mon coton? Ah, c'est bon, je peux te faire l'armure de jambes. Tac, voilà. Je rentre à la base et je te donne ça. T'es à la base là? Ah non, je viens de voir un arbre tomber. Non, je suis en train de couper du bois. Ouais, je suis con, de toute façon j'ai la flèche verte là. Tiens. Prends tes jambières. C'est qu'il est le mec. Ah, il se rapproche de nous. Viens. Prends ton arc, prends. Où est-ce qu'il est? Comment il fait pour nous retrouver? Ah, c'est parce que tu l'as accepté? Ouais. Qui a une maison? Attends, eh. Hey. Hey, dès qu'on le voit, dès qu'on le voit, on le bute, on fait quoi? Ouais, on le bute.
Attends. Alors vas-y, on laisse d'abord s'approcher de nous, on l'encercle, et puis on lui donne un coup de massue dans la tête. Là, je vois des zombies au loin. Je zoome avec l'arc en fait pour voir où c'est qu'il est. Merde, il a disparu. Il est derrière. What? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh, hey, il est là. Il a réapparu sur... Hein? Il a cheat? Mais il a le mode cheat. Ah, il est en haut. Putain, il cheat. Je vous propose de redémarrer le serveur et de retirer le mode cheat. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'explique dans la vidéo parce que, comme un con, j'avais laissé le mode cheat activé. Du coup, voilà. Attends, qui c'est qu'il est, ce connard? Du coup, ils en profitent, les saligots! Pourquoi vous me tuez? Attends. Parce que ma maman l'a dit. Ah putain. Qu'est-ce que je fais, genre demain? Ouais. Allez, va. C'est bon, le cheat est désactivé. Normalement, ça devrait aller. 11 ans, quoi, le mec. Moi, j'ai 6 ans. J'ai 4 ans. À 4 ans, faut le faire quand même. T'imagines le gamin de 4 ans qui joue à 7 Days, quoi. Non. Il y a des limites. Alors c'est comme ça que tu veux la faire, la maison? Ouais, bah c'est pas un truc symétrique, hein, c'est pas... Ouais, c'est pas grave. Non, on s'en fout. Hein. Bon, bah je pose les wood frames pour faire la deuxième couche. On va dire. Ouais, faut faire le sol. Ah, tu... Il faut faire des portes. Ah, tu fais le faut sol faire un sas. Un sas. T'es sûr que tu veux faire le sol? Ah, le sol, c'est pas... Bah le sol, c'est pas grave, au pire. Ouais. C'est juste esthétique, quoi, mais bon... What? Ah, c'est toi qui viens d'apparaître, j'ai merde, c'est clair. Je vois une hache qui vole toute seule, tu sais quoi ça? De toute façon, je vais pas tarder là. Hein. Je sais pas combien de temps j'ai tourné là de vidéo, mais. Bon là on est qu'au jour 4, à partir du 7ème jour, à mon avis, ça va chier. N'est-ce pas? Ouais. Pourquoi je peux pas le poser là? Ah, c'est le buisson qui... qui pète les rousses là. Un coup de masque là. Ouais, je vais arrêter la vidéo ici, je pense que j'ai assez... Bon, on va dire que c'était l'épisode 0, quoi. L'épisode test. Ouais, l'épisode 0. On est en train de construire tranquillou. Quand le jour 7 sera passé et que... on aura nos défenses et tout, il va y avoir de l'action. Bon allez les gens, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si un serveur vous intéresse ou si vous avez un serveur 7 Days et que vous voulez qu'on le rejoigne ou quoi. Enfin, c'est vrai que ça serait bien qu'on soit sur un serveur permanent.
ce serait cool. Parce que là, en fait, c'est moi qui host la partie. Et si Speedcraft veut jouer sur la partie et que je suis pas là, bah, il peut pas, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et puis comme ça, si des gens veulent nous rejoindre ou quoi, ça serait un peu mieux. Donc voilà, je vous dis au revoir. J'espère que ça vous a plu, malgré le fait qu'on c'était plutôt calme. En fait, il a vu quand on a dit on a 4 ans et tout. Ah oui, il l'a vu. Bah, c'est pour ça qu'il écrit quoi. Quoi. Genre. Non, mais dans la vidéo, on le voit. Ah oui, j'ai enregistré, oui. Oui. Bon allez, bonne soirée, bonne journée à tous, et à la prochaine pour l'épisode, l'épisode 1, du coup, vu que celui-là c'était le 0, on va dire. Et à la prochaine. Salut.